action ce matin, c'est pour revendiquer nos droits et dire, faire un appel et dire au ministre de tous les problèmes que nous sommes confrontés à l'école ici. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Nous sommes confrontés ici à beaucoup de problèmes. Déjà, la première chose d'abord, c'est le retard des professeurs durant ces 5 mois. Pourtant, nous sommes venus ici pour suivre la formation. Et nous sommes appelés demain à former les futurs enfants, c'est-à-dire nos enfants. Mais nous sommes là, nous-mêmes, nous ne sommes pas formés. Il y a de cela 5 mois qu'on a rien fait, au fait. Rien. Et aujourd'hui, on a même honte de dire à nos parents qu'on a laissé à Conakry leur dire que nous sommes là et on étudie. Nous sommes fatigués de leur mentir maintenant. Il faut que l'humanité cherche qu'ici, à l'ENI de Zérokoré, les élèves maîtres ici traversent des difficultés, telles que la dictature aussi. On nous oblige d'acheter ici les brochures, même si on n'a pas d'argent. On a des familles pauvres qu'on a laissées. C'est la pauvreté qui nous a amenés ici. Ceux-là qui ont l'argent, ils ont déjà négocié pour rester à Conakry. Et nous, on a accepté de répondre à nos devoirs, venir ici, parce qu'on a été orienté. Et nous sommes là avec la conjoncture. On n'a rien à manger ici, rien à boire. Nous sommes logés, on paye là-bas, on paye cher. Donc il faut que vous compreniez et que l'humanité comprenne aujourd'hui, pour ici à Zérokoré, que ça ne va pas. Et aussi le retard des pécules. Le retard des pécules. Aujourd'hui, ça fait 5 mois de cela. Nous tendons vers le 6e mois. Et pourtant, on a nos amis à l'université là-bas qui ont le même diplôme que nous, qui ont décroché le baccalauréat comme nous. On a les mêmes diplômes. Ils sont à l'université et ils se moquent de nous. Parce qu'ils nous considèrent comme des moutons à l'ENI, qu'on ne peut pas revendiquer nos droits. Ils ont raison. Mais on se demande, on se pose la question. Ceux-ci là sont supérieurs à nous. On n'a pas décroché, on n'a pas fait les mêmes examens pour être là. On a fait les mêmes examens et on a les mêmes diplômes, même couleur et cacheté par le même ministre. Mais on se demande si ceux-ci-là, on les considère plus que nous. On les a payés, nous jusqu'à présent. Ça fait 2 mois de cela qu'on les a payés. Et nous sommes là jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu qu'on peut que. Et la troisième des choses, c'est au niveau aussi des brochures. On nous oblige à acheter ici des brochures, on a l'argent, on n'a pas. On nous oblige à acheter des brochures. Des professeurs, il en ces 5 mois. Tous les professeurs? Pas tous les professeurs. Mais en réalité, pour vous dire la franche vérité aujourd'hui, que depuis que nous sommes venus à Zérokoré, il en ces 5 mois, on n'a rien fait de concret, sauf la souffrance. Nos amis à l'université là-bas, qui ont le même diplôme que nous, qui ont décroché le baccalauréat comme nous, on a les mêmes diplômes. Ils sont à l'université et ils se moquent de nous. Parce qu'ils nous considèrent comme des moutons à l'ENI, qu'on ne peut pas revendiquer nos droits. Ils ont raison. Mais on se demande, on se pose la question. Ceux-ci là sont supérieurs à nous. On n'a pas décroché, on n'a pas fait les mêmes examens pour être là. On a fait les mêmes examens et on a les mêmes diplômes, même couleur et cacheté par le même ministre. Mais on se demande si ceux-ci là, on les considère plus que nous. On les a payés, nous jusqu'à présent. Ça fait 2 mois de cela qu'on les a payés. Et nous sommes là jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu qu'on peut que. Et la troisième des choses, c'est au niveau aussi des brochures. On nous oblige à acheter ici des brochures, on a l'argent, on n'a pas. On nous oblige à acheter des brochures. Des professeurs, il en ces 5 mois. Tous les professeurs? Pas tous les professeurs. Mais en réalité, pour vous dire la franche vérité aujourd'hui, que depuis que nous sommes venus à Zérokoré, il en ces 5 mois, on n'a rien fait de concret. Sauf la souffrance. Et j'aimerais que toute la famille des différents élèves maîtres, des différents éléments à l'école ici, cherchent que leurs enfants souffrent, mais n'ont pas le corps peut-être leur dire la vérité. Mais nous souffrons énormément. Donc, est-ce qu'on vous a un peu expliqué? À chaque fois, ils nous rassurent. À chaque fois, ils nous rassurent. À chaque fois, ils nous rassurent que nous aurons des professeurs. À chaque fois, ils nous rassurent que nous aurons des professeurs. Nous sommes venus, à 1 mois, 2 mois, on n'avait rien fait. C'est le 3e mois, on a commencé à étudier. Ça aussi, il y a certains professeurs qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Et ils viennent, ils nous vendent des brochures sans pouvoir être capable de les expliquer même. Aujourd'hui, il y a de ces matières, on a des brochures, mais si vous posez la question ici à bon nombre de personnes, comme quand je prends par exemple la législation, on ne connaît même pas c'est quoi. Pourtant, ça fait partie, c'est un élément qui fait partie de la formation. Donc aujourd'hui, si nous sommes partis même pour faire des stages dans les différentes villes,
et que nous avons été incapables même de planifier une leçon, c'est parce que durant ces 3 mois, 4 mois passés, on n'a rien fait de concret. Donc on se demande pourquoi nous sommes là même. Ok.